Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire, publiée en 1759. Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 18e, ce qu'ils virent dans le pays d'Eldorado. Cacambo témoigna à son hôte toute sa curiosité. L'hôte lui dit : « Je suis fort ignorant et je m'en trouve bien. Mais nous avons ici un vieillard retiré de la cour, qui est le plus savant homme du royaume et le plus communicatif. » Aussitôt, il mène Cacambo chez le vieillard. Candide ne jouait plus que le second personnage et accompagnait son valet. Ils entrèrent dans une maison fort simple, car la porte n'était que d'argent et les lambris des appartements n'étaient que d'or, mais travaillés avec tant de goût que les plus riches lambris ne l'effaçaient pas. L'antichambre n'était à la vérité incrustée que de rubis et d'émeraudes, mais l'ordre dans lequel tout était arrangé réparait bien cette extrême simplicité. Le vieillard reçut les deux étrangers sur un sofa matelassé de plumes de colibri et leur fit présenter des liqueurs dans des vases de diamants, après quoi il satisfit à leur curiosité en ces termes. « Je suis âgé de 160 et 12 ans. » Et j'ai appris de feu mon père, écuyer du roi, les étonnantes révolutions du Pérou dont il avait été témoin. Le royaume où nous sommes est l'ancienne patrie des Incas qui en sortirent très imprudemment pour aller subjuguer une partie du monde et qui furent enfin détruits par les Espagnols. Les princes de leur famille qui restèrent dans leur pays natal furent plus sages. Ils ordonnèrent du consentement de la nation, qu'aucun habitant ne sortirait jamais de notre petit royaume, et c'est ce qui nous a conservé notre innocence et notre félicité. Les Espagnols ont eu une connaissance confuse de ce pays, ils l'ont appelé El Dorado, et un Anglais nommé le chevalier Raleigh en a même approché il y a environ 100 années. Mais comme nous sommes entourés de rochers inabordables et de précipices, nous avons toujours été jusqu'à présent à l'abri de la rapacité des nations de l'Europe, qui ont une fureur inconcevable pour les cailloux et pour la fange de notre terre et qui, pour en avoir, nous tueraient tous jusqu'au dernier. La conversation fut longue. Elle roula sur la forme du gouvernement, sur les mœurs, sur les femmes, sur les spectacles publics, sur les arts. Enfin, Candide, qui avait toujours du goût pour la métaphysique, fit demander par Cacambo si dans le pays il y avait une religion. Le vieillard rougit un peu. « Comment donc ? » dit-il. « En pouvez-vous douter ? Est-ce que vous nous prenez pour des ingrats ?» Un Cacambo demanda humblement quelle était la religion d'Eldorado. Le vieillard rougit encore. « Est-ce qu'il peut y avoir deux religions ? » dit-il. « Nous avons, je crois, la religion de tout le monde. Nous adorons Dieu, du soir jusqu'au matin. N'adorez-vous qu'un seul Dieu ? » dit Cacambo, qui servait toujours d'interprète aux doutes de Candide. « Apparemment, dit le vieillard, qu'il n'y en a ni deux, ni trois, ni quatre. Je vous avoue que les gens de votre monde font des questions bien singulières. » Candide ne se lassait pas de faire interroger de ce bon vieillard. Il voulut savoir comment on priait Dieu dans l'Eldorado. « Nous ne le prions point, dit le bon et respectable sage. Nous n'avons rien à lui demander. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut. Nous le remercions sans cesse. » Candide eut la curiosité de voir des prêtres. Il fit demander où ils étaient. Le bon vieillard sourit. « Mes amis, dit-il, nous sommes tous prêtres. Le roi et tous les chefs de famille chantent des cantiques d'action de grâce solennellement tous les matins, et 5 ou 6 000 musiciens les accompagnent. Quoi, vous n'avez point de moines qui enseignent, qui disputent, qui gouvernent, qui cabalent et qui font brûler les gens qui ne sont pas de leur avis? Il faudrait que nous fussions fous, dit le vieillard. Nous sommes tous ici du même avis et nous n'entendons pas ce que vous voulez dire avec vos moines. Candide, à tous ces discours, demeurait en extase et disait en lui-même « Ceci est bien différent de la Westphalie et du château de Monsieur le Baron. Si notre ami Pangloss avait vu Eldorado, il n'aurait plus dit que le château de Thundertentrock était ce qu'il y avait de mieux sur la terre. Il est certain qu'il faut voyager. » Après cette longue conversation, le bon vieillard fit atteler un carrosse à 6 moutons et donna 12 de ses domestiques aux 2 voyageurs pour les conduire à la cour.
Excusez-moi, lui leur dit-il, si mon âge me prive de l'honneur de vous accompagner, le roi vous recevra d'une manière dont vous ne serez pas mécontent, et vous pardonnerez sans doute aux usages du pays s'il y en a quelques-uns qui vous déplaisent. Candide et Cacambo montent en carrosse, les 6 moutons volés, et en moins de 4 heures, on arriva au palais du roi, situé en un bout de la capitale. Le portail était de 220 pieds de haut et de 100 de large. Il est impossible d'exprimer quelle en était la matière. On voit assez quelle supériorité prodigieuse elle devait avoir sur ces cailloux et sur ce sable que nous nommons or et pierrerie. 20 belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du carrosse, les conduisirent au bain, les vêtirent de robes, d'un tissu de duvet, de colibri, après quoi les grands officiers et les grandes officières de la couronne les menèrent à l'appartement de Sa Majesté au milieu de 2 files, chacune de 1000 musiciens, selon l'usage ordinaire. Quand ils approchèrent de la salle du trône, Cacambo demanda à un grand officier comment il fallait s'y prendre pour saluer Sa Majesté. Si on se jetait à genoux en ventre à terre, si on mettait les mains sur la tête ou sur le derrière, si on léchait la poussière de la salle, en un mot, quelle était la cérémonie? L'usage, dit le grand officier, est d'embrasser le roi et de le baiser des deux côtés. Candide et Cacambo sautèrent au cou de Sa Majesté, qui les reçut avec toute la grâce imaginable et qui les pria poliment à souper. En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu'aux nues, les marchés ornés de 1000 colonnes, les fontaines d'eau pure, les fontaines d'eau rose, celles de liqueurs de canne de sucre qui coulaient continuellement dans de grandes places pavées d'une espèce de pierrerie qui répandait une odeur semblable à celle du girofle et de la cannelle. Candide demanda à voir la cour de justice, le parlement. On lui dit qu'il n'y en avait point et qu'on ne plaidait jamais. Il s'informa s'il y avait des prisons et on lui dit que non. Ce qui le surprit davantage et qui lui fit le plus de plaisir, ce fut le palais des sciences, dans lequel il vit une galerie de 2000 pas, toute pleine d'instruments de mathématiques et de physique. Après avoir parcouru l'après-dîner, à peu près la 1000e partie de la ville, on les ramena chez le roi. Candide se mit à table entre Sa Majesté, son valet, Cacambo et plusieurs dames. Jamais on ne fit meilleure chère et jamais on n'en plus d'esprit à souper qu'en eut Sa Majesté. Cacambo expliquait des bons mots du roi à Candide et, quoique traduit, il paraissait toujours des bons mots. De tout ce qui étonnait Candide, ce n'était pas ce qui l'étonna le moins. Ils passèrent un mois dans cet hospice. Candide ne cessait de dire à Cacambo « Il est vrai, mon ami, encore une fois, que le château où je suis né ne vaut pas le pays où nous sommes. Mais enfin, mademoiselle Cunégonde n'y est pas, et vous avez sans doute quelques maîtresses en Europe. Si nous restons ici, nous n'y serons que comme les autres, au lieu que si nous retournons dans notre monde seulement avec 12 moutons chargés de cailloux d'Eldorado, nous serons plus riches que tous les rois ensemble, nous n'aurons plus d'inquisiteurs à craindre, et nous pourrons aisément reprendre mademoiselle Cunégonde. » Ce discours plut à Cacambo. On aimait tant à courir, à se faire valoir chez les siens, à faire parade de ce qu'on a vu dans ses voyages, que les deux heureux résolurent de ne plus l'être et de demander leur congé à Sa Majesté. « Vous faites une sottise, leur dit le roi. Je sais bien que mon pays est peu de choses, mais quand on est passablement quelque part, il faut y rester. Je n'ai pas assurément le droit de retenir des étrangers. C'est une tyrannie qui n'est ni dans nos mœurs ni dans nos lois. Tous les hommes sont libres, partez quand vous voudrez. Mais la sortie est bien difficile. Il est impossible de remonter la rivière rapide sur laquelle vous êtes arrivés, par miracle, et qui court sous des voûtes de rochers. Les montagnes qui entourent tout mon royaume ont 10 000 pieds de hauteur et sont droites comme des murailles. Elles occupent chacune en largeur un espace de plus de 10 lieues. On ne peut en descendre que par des précipices. Cependant, puisque vous voulez absolument partir, je vais donner ordre aux intendants de machines d'en faire une qui puisse vous transporter commodément. »
Quand on vous aura conduit au revers des montagnes, personne ne pourra vous accompagner, car mes sujets ont fait vœu de ne jamais sortir de leur enceinte, et ils en sont trop sages pour rompre leur vœu. Ils sont trop sages pour rompre leur vœu. Demandez-moi d'ailleurs tout ce qu'il vous plaira. Nous ne demandons à votre majesté, dit Cacambo, que quelques moutons chargés de vivres, de cailloux et de boue du pays. Le roi rit, je ne conçois pas, dit-il, quel goût vos gens d'Europe ont pour notre boue jaune, mais emportez-en autant que vous voudrez, et bien vous fasse. Il donna l'ordre sur le champ à ses ingénieurs de faire une machine pour guinder ces deux hommes extraordinaires hors du royaume. 3 000 bons physiciens y travaillèrent, elle fut prête au bout de 15 jours, et ne coûta pas plus de 20 millions de livres sterling. Monnaie du pays. On mit sur la machine Candide et Cacambo. Il y avait deux grands moutons rouges scellés et bridés pour leur servir de monture quand ils auraient franchi les montagnes. 20 moutons de bâche chargés de vivres, 30 qui portaient des présents de ce que le pays a de plus curieux, et 50 chargés d'or, de pierreries et de diamants. Le roi embrassa tendrement les deux vagabonds. Ce fut un beau spectacle leur départ et la manière ingénieuse dont ils furent hissés, eux et leurs moutons, en haut des montagnes. Les physiciens prirent congé d'eux après les avoir mis en sûreté, et Candide n'eut plus d'autre désir et d'autre objet que d'aller présenter ses moutons à mademoiselle Cunégonde. « Nous avons, dit-il, de quoi payer le gouvernement de Buenos Aires si mademoiselle Cunégonde peut être mise à prix. Marchons vers la Cayenne, embarquons-nous et nous verrons ensuite quel royaume nous pourrons acheter. » Fin du chapitre 18e. Bonne journée, à demain.